reborn. Chaos reborn. Wow. Pues ya fue eso, como te lo digo. Tout allait bien, c'était extraordinaire. Nous nous retrouvons pour une autre vidéo sur les sorciers et les œuvres. Ha! Aujourd'hui, nous sommes dans la partie, je pense que c'est 16 ou 17. Bon, vous allez le voir dans la description. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette chose que les gens ignorent beaucoup. En fait, les gens ne savent pas qui sont les sorciers en réalité et qui peut être un sorcier. Donc moi, je vais vous dire aujourd'hui, qui peut être un sorcier, un grand ou un petit? Un grand ou un petit? Attendez, écoutez-moi bien. Quand vous voyez un enfant de 5 ans, il ressemble à qui? Il ressemble à un ange. Un ange, vous ne pouvez même pas vous imaginer que l'enfant de 5 ans puisse avoir la sorcellerie. Ça c'est bien, ça commence bien. Maintenant, quand vous voyez une personne qui a peut-être 50 ans, une grande personne, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que oh, il y a une forte possibilité que cette personne qui a 50 ans puisse avoir la sorcellerie par rapport à l'enfant. Mais quelle est la vraie réponse? Qui peut avoir la sorcellerie? Le grand ou le petit? Le grand ou le petit? Mes frères et sœurs, la réponse est ici. La réponse est ici. Dans la sorcellerie, il peut y avoir tout le monde. Tout le monde peut être sorcier. Parce que c'est une chose hein, qui se trouve dans l'esprit. Oui, tant que vous avez un esprit, c'est que vous pouvez avoir la sorcellerie. La manière que vous avez la force de faire le bien par le bon esprit ou encore le Saint-Esprit qui est en vous, c'est de la même manière que vous pouvez aussi avoir la force de faire le mal par l'esprit du diable qui est en vous. Ça veut dire qu'un enfant, si vous voyez qu'un enfant arrive à faire du bien autour de lui, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui l'anime, lui le Saint-Esprit l'habite. Et dès que vous découvrez que l'enfant commence à tout gâcher, tout de lui, à faire du cafouillage, à mélanger tout dans son entourage, c'est qu'il y a un problème. Et souvent on dit que waouh, c'est l'esprit du démon qui le fatigue, ou encore l'esprit du diable, parce que l'esprit du diable est en train de travailler avec lui. Travailler avec lui, parfois, sans qu'il s'en rende compte. Et souvent, les parents sont en train de le laisser faire des conneries. Au lieu de l'attraper, de lui dire quoi faire, de lui montrer ce qu'on appelle, ce qu'on appelle. Et les gens sont en train de regarder ça pour dire, oh non, c'est un enfant, laissez-le jouer, c'est pas ce qu'il fait. Vraiment, faites grave attention. Là, si tout esprit peut habiter un corps, même si le corps là est un petit corps, le corps d'un enfant, même d'un bébé, c'est que dans la sorcellerie, tout le monde peut être sorcier. Les grands comme les petits. Oui, on trouve les grands et les petits dans le royaume des ténèbres, en train de parler avec le diable, assister aux mêmes réunions et ils mangent la même nourriture. Et ce que les grands font là-bas, c'est ce que les petits font. Et en général, les petits sont plus dangereux que les grands. Parce qu'ils sont innocents, ils ne savent pas comment ça se passe, mais quand le diable les attrape et qu'il réussit à leur donner la sorcellerie, ha, il devient même plus grave que ce que les grandes personnes font. Moi, j'ai été surpris un jour, Je suis dans un combat contre les sorciers depuis très longtemps. Ouais. Et dans ce combat, il ne savait pas que même les petits pouvaient m'attaquer. Il y a eu deux petits. C'est-à-dire un peu grand qui peut avoir 5 ans et l'autre qui a 3 ans. Celui qui a 5 ans, il a commencé à m'attaquer. Sous le regard de sa petite soeur de 3 ans. Et les deux étaient dans un complot. C'est-à-dire le diable envoyait les deux hein, et il les a utilisés pour faire un complot sérieux hein, pour m'attaquer. Moi, je pouvais savoir qu'ils sont en train de m'attaquer. Parce que quand on t'attaque, tu sais. Et je les ai regardés jusqu'à. Il a dit, mais what?
il faut qu'aujourd'hui je vous en parle pour vous dire qui peut être dans la sorcellerie, les grands ou les petits. Les petits que vous négligez là. Si vous ne faites pas attention, ils risquent de vous créer de grands problèmes. C'est pourquoi tous les jours de votre vie, cherchez à savoir dans quoi les enfants là sont. Quel est l'état d'âme. Même quand ils s'endorment là, qu'est-ce qu'ils voient la nuit? Et dans l'est, quand ils s'endorment et dans son sommeil là, ils voient qui là-bas? Qu'est-ce qu'il fait? Si l'enfant te dit qu'il s'endort, il s'envole et puis il tombe dans l'eau, fais attention. Si l'enfant te dit que qu'il s'endort, il mange de la bonne nourriture, de la bonne viande, fais aussi attention. Les gens veulent initier l'enfant là. Les gens veulent initier l'enfant là. Parce que le travail du diable, c'est ainsi, c'est ça. Regardez un peu ce qui se passe dans les dessins animés. Pourquoi y a-t-il autant de dessins animés occultes? Pourquoi y a-t-il autant de dessins animés où on parle de sorcellerie et de sorcellerie et de chaînes de choses? Posez-vous la question. C'est parce que le diable est en train de former son armée sur notre dos. À partir de quoi? De qui? À partir de nos enfants. Il veut que la génération future soit à lui. Il veut que la prochaine génération soit sous son contrôle. Donc, dès vos bas âges, il va commencer à vous endoctriner. Vous parlez des sirènes, vous parlez de magie, vous parlez de sorcellerie. Les Harry Potter par-ci, la sirène par-là, les jeux de cartes, comment ça s'appelle là-même? Yu-Gi-Oh! Et autres. Il y a quoi encore? Les Naruto, vous faites la magie, vous faites les invocations, comment on fait pour invoquer les esprits? Quand l'enfant regarde ça comme ça, au départ, ça a l'air rigolo. Mais s'il n'est pas fort d'esprit, ils vont le prendre pour partir. Les sorciers vont le prendre pour partir la nuit. C'est quoi? C'est ce qui se passe. Et quand l'enfant regarde ça, vraiment, il veut être comme ces gens-là. À cause de cette volonté, cette grande volonté à devenir comme ces personnages qui voient ces dessins animés-là. Automatiquement, ça devient facile pour les démons visiteurs de les prendre pour partie. C'est-à-dire les démons qui viennent visiter les gens dans leur sommeil. Là. Voilà, ça devient facile pour eux de faire leur boulot. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? C'est exactement ce qui se passe. Moi, je vous le dis, je vous le dis. Et ce qui est grave, c'est que dans la sorcellerie, hein, ce qu'un grand fait, c'est ce que aussi un petit fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ils font un plan, hein, et ils demandent aux grandes personnes, ou ils demandent aux gens de tuer par exemple 20 personnes dans un quartier, et 20 personnes par personne, c'est-à-dire chaque individu sorcier là-bas doit tuer 20 personnes. Ce qu'ils vont demander aux grands là, de faire, est-ce qu'ils vont demander aussi aux petits de faire? C'est-à-dire le grand va tuer 20 personnes, et le petit aussi va tuer 20 personnes. Si on demande au grand de faire un accident routier, c'est-à-dire créer un accident sur la route et pour qu'il y ait des morts, ce que le grand va le faire, c'est ce que le petit aussi va le faire, alors qu'il a 5 ans. Mais son esprit a 2000 ans, parce qu'il a reçu l'esprit des démons. Il est petit, mais il est grand. Il est petit, mais il est grand. Il est grand où? Il est grand en esprit. C'est son esprit là qui fait peur. Selon sa taille, il ne fait pas peur aux gens ici. Mais ce qui est dans son esprit, là, c'est ça qui est dangereux. Même dans la Bible, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un gars qui était fou. Dès qu'il a vu Jésus, il a commencé à crier, « Oh, toi, le salaud, là, tu veux chez quoi ici? Qu'est-ce que tu veux chez ici? Pourquoi tu veux me troubler le matin, bonheur, là? Hein? Laisse-nous mener au gamme, là. » Jésus est venu vers lui, Jésus dit, « Qui es-tu? » Légion, nous sommes nombreux ici. Nous sommes très nombreux. Tu peux imaginer. » Donc, il y avait beaucoup de démons hein, dans le corps de ce fou-là. Et c'est ces démons-là qui étaient en train de l'agiter. Mais comme je dis que c'est un dur gars, comme je dis que c'est un dur, il a jeté les démons-là en un clin d'œil. Pouf! On dit qu'ils sont allés entrer dans le porno. Chaque fois, on dit qu'il ne faut pas mourir pour eux, c'est. Heureusement que tu as dit ça, si on m'était prêt, mais tout seul, on m'a dit pour Kucho. Et en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le monsieur a été libéré de tous les démons. Tout de suite, il a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est en lui. Après, il a commencé à dire, oh, Jésus, tu es chaud, tu es joli, hein. Il ne sait pas que tu es si joli comme ça. Attends, est-ce qu'il peut te suivre?
Je te suis le pays. Il y a partout, tu vas partir dans le pays là-bas, je te suis. Vous avez vu, non? Là, la maintenant qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle en lui. Parce que le bon esprit a joué. De manière, Jésus a giflé les démons. Les démons ont bien pris la suite. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est venu. Il a retrouvé ses esprits maintenant. Ouais, il a retrouvé ses esprits. Parce qu'il a la lumière entrée en lui. À cause de cet esprit nouveau qu'il a reçu de Dieu. Ouais, non? Vous voyez? Sans faire du bruit, sans faire du bruit. L'esprit de Dieu est avec toi, lui. Il a commencé à bien parler maintenant. Là, il n'est plus fou. C'est comme ça que ça se passe. Le problème, là, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le corps des gens, ce n'est pas l'homme qui marche. Le plus grand problème, c'est l'esprit qui habite l'homme. Et la plupart des gens qui sont possédés, là, ne le savent pas. Oui, la plupart des gens qui sont possédés ne le savent pas. Je pense que j'ai fait une vidéo là-dessus tout de suite, hein, pour vous dire comment les gens qui sont possédés, mais ils ne le savent pas. Parce que sur la terre, si vous pouvez être possédé par deux esprits, soit le Saint-Esprit ou l'esprit du démon, en fonction de ça, là, vous savez où partir, vous savez comment vous comporter. Les gens qui sont jaloux sans le savoir, les gens qui n'aiment pas les gens, pour aucune raison, hein, le gars, lui, il ne t'aime pas. Tout ça là, nous allons parler de ça dans la prochaine vidéo, de la partie qui va suivre cette vidéo, si Dieu le veut, que Dieu nous donne la force de le faire. Et vous aussi, rappelez-nous en commentaire, hein? Rappelez-nous en commentaire, et je serai prêt. Faites grave attention à la vie, priez pour vos enfants et veillez sur tout ce qu'ils voient la nuit quand ils sont dormis. Allez demander à vos enfants, qu'est-ce qu'ils voient la nuit dans leur sommeil, qu'est-ce qu'ils voient, ils vont vous raconter ça. Que Dieu leur donne la force de tout vous dire. Donc vous aussi, priez, hein? Sinon le combat qui sera derrière là. Ha! Vous allez sentir ce que vous allez sentir. Que la paix de Dieu soit là quand même. Soyez prêts. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir, si vous abonnez à votre chaîne, dans la description se trouve un lien où vous pouvez télécharger tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires. Merci les frères et sœurs pour tout. Que Dieu bénisse et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti.